Mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour. Ça va dépendre du côté de nous, nos minutes. Hein. Nous comptons pour nous avec vous, pour nous capables de présenter le sujet ça à soi. Hein. C'est l'importance de la prière. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous ce soir. Espérons que mon Dieu va te toucher partout où tu es, parce que notre Dieu est bon. Nous sommes vraiment contents et nous allons lire des versets ensemble, espérant que Dieu commence par améliorer. Alors si vous ne pouvez pas prier, vous ne pas prendre l'importance de la prière, c'est important pour nous capables de parler de la prière. Premier texte dans des bases, on va lire pour assurer, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 et 18, de notre allée Chita, on est capable de voir sa parole, mon Dieu, dit à travers la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 et 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 et 18, la parole de Dieu déclarée. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 et 18. On a regardé pour nous sa parole, bon Dieu dit. Saint-Grévelin, bonsoir. Que bon Dieu bénisse nous, parce que toutes les tentatives m'ont fait assurer pour nous être capables de continuer avec ce sujet-là, mais nous pas capables parce que nous connectons à plusieurs reprises. Et pas de moyens pour nous être capables de présenter ce sujet-là. Je ne voulais pas efforcer la nature. Et moi, j'étais by vague. Maintenant, le Saint-Esprit était un sujet sur quel monde pour nous capables de réfléchir ensemble et à savoir l'importance de la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Et nous tous nous connaissons, et ça veut dire la parole. La puissance de la parole, la puissance de communiquer. Alors, la puissance de la communication. Et sans la communication, le monde ne peut pas fonctionner. Sans la parole. Là, c'est ça que nous besoin qu'on ait. La parole joue un rôle prépondérant dans la vie de chaque monde, dans toute société. Pas une société sans la parole, sans la prière. Alors, pour me prier, je suis obligé de parler. Là, en logique, je vais aller voir ça. Parce qu'en plus, monde de fois, je ne sais pas comment pour prier, comment pour adresser, bon Dieu, des requêtes vraiment spéciales. L'important pour nous apprendre à prier, parce que pas gagner. Pas gagner un succès sans la prière, pas gagner un réussite sans la prière, quelque chose en a fait, on a besoin de prier. Prier, c'est communiquer avec mon Dieu, bien parler avec Papa qui est dans le ciel. Là, nous voyons que la première prière que Dieu, le Seigneur Jésus a montré aux disciples, et il commençait comme ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nul ne dupe pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient notre le siècle et la puissance et la gloire. Amen. La ambologie que, et lorsque nous prions, nous prions à la manière de Jésus. Jésus, de façon, nous demander nous pour nous prier. Ça veut dire que nous pour nous parler à papa. Je veux dire, il y a des gens qui ont la prière, ils ont parlé avec bon Dieu. Et c'est comme si on ne reconnaît pas ou bien on parle avec arrogance. Les gens ont la prière, il faut faire ça avec un peu de souplesse. D'ailleurs, on a demandé, humainement parlant, sur croisé avec le monde, on a demandé le bagaille. Il y a des gens qui parlent avec elle, ils ne sont pas intéressés pour le bagaille. Mais il y a des gens qui ont supplié, ils parlent avec elle, en vérité, même quand on a été dû, les gens ont abordé là, a suscité le barou bagay ça. Il n'est pas différent pour bon Dieu. Parce que bon Dieu voulait que nous développions des relations avec lui comme papa et petite. Est-ce que bon Dieu pas connaît nous besoin tout ça nous demandé? Oui. Mais il voulait que nous développions des relations et père et fils pour les capables et ben nous des choses. Là, nous ne pouvons pas pour nous aller répliquer. Tout ça, bon Dieu dit, c'est que nous d'accord avec ça, bon Dieu dit. Et c'est ça qui fait nos bras les garder quand on s'en va avec vous. Parce que là, non, il y a des salariés,
5, verset 17-18. Il dit que, bon, d'ailleurs, il y a une bagaille, apôtre Paul dit avec le peuple Thessalonique là, il m'a dit ok, il dit, et la parole de Dieu dit, et dans verset 16, c'est pour que nous toujours contents. Si je le coup de papa, je ne peux pas aller de façon triste. Non. Il y a des gens qui très. Il y a le coup de bon Dieu, il est très attristé. Et pour qui ça va attristé? Il y a le côté bon Dieu. Bon Dieu, salut pour papa. Mais si je vais demander papa mon bagaille, je vais obliger à attrister. Pour qui ça m'oblige à attrister? Est-ce que je connais papa mon bon mari? Non, il faut me faire papa mon confiance. Papa me doué. Je vais comprendre ça. Et dans une minute, ça. Et les brèves féminines tout à l'heure en Haïti, mais dans notre pays, nous connaissons que c'est journée qui peut-être a fait chemin. Et comprenez bien, la embologie que la parole de Dieu nous exige d'être toujours joyeux. Nous devons être joyeux, nous devons être toujours en joie, parce que le Seigneur voulait que nous toujours en joie. Parce que si je parle avec le monde, quatre primaires, la faute est moins moudé. Ah, mon ami doit peur, il ne doit pas même retarder. Parce que façon de présenter, hein, pas fait mon ambiance. La embologie que la parole de Dieu nous déclare, c'est pour que nous toujours contents. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, c'est pour que nous toujours contents. Même adoration à bail, bon Dieu, la loi, bon Dieu m'a dit, nous, c'est pour que nous contents. C'est pour nous pousser des cris de joie, des cris de contentement, pour nous capables d'avancer dans bon Dieu. Mais il y a un monde aujourd'hui qui peut-être pas voulu appliquer sa bon Dieu. Eh bien, en pile fois, nous prier, mais bon Dieu, pas exaucer prier nous, parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. Et regardez bien dans verset 17e, et l'apôtre Paul a ajouté, il dit que pas jamais suspendre la prière. Pourquoi l'apôtre Paul disait pas jamais suspendre la prière, ou bien en bon français, prier sans cesse. Mes frères et sœurs, beaucoup de fois Dieu veut nous tester, il veut nous éprouver. Bon Dieu, qu'on voulait éprouver nous comme mon cap marche avec lui. Et nous, on a dit nos bagailles, il prend un petit temps pour voir est-ce que nous patientons, est-ce que nous c'est nous qui avons persévérance. La persévérance indique quoi? Elle indique que c'est la continuité. Nous devons continuer, j'ai la continuation. Et on doit continuer à prier, à demander, à parler à ton papa. Maintenant, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire continuer à prier, prier. Pourquoi prier? Parce que relation avec papa nous doit être en permanence, 24 sur 24, sans nous pas jamais relâcher. D'ailleurs, la patience, il y a une phrase française qui dit que la patience est amère, mais son fruit est doux. Oui, et lorsque on va persévérer dans les bagailles, on ne peut pas qu'à joindre dans le moment où on nerve ou qu'on fait l'autre penser. Mais l'on joue une bagaille là, même quand c'était après une période de temps, eh bien, ou content, ou senti ou à l'aise, ou senti ou normal. La embologie, comme chrétien, comme vrai croyant, la parole de Dieu nous exige de prier sans cesse. La parole de Dieu nous exige d'être toujours joyeux. Nous devons être toujours joyeux. Parce que c'est ça, le Seigneur dit, nous devons être contents. Nous ne pouvons pas parler à papa nous pour ne pas retirer vieux plis dans le fond nous, pour nous parler avec bon Dieu, parce que bon Dieu nous a livré que nous toujours contents. Parce que les nous fâcher, les nous attrister, ça fait bon du mal. Et nous rappelons que Jésus est venu joindre et c'est Lazare à crier parce que Lazare mourit. Jésus criait tout pour que ça. Jésus paraît, mais il a fait projet de malheur pour nous. Jésus fait projet de paix. Et pas oublier, projet de paix, ce n'est pas non seul bagaille, c'est dans tout domaine. Et soit sous la terre, soit dans le ciel, et soit dans l'esprit, nous, dans le corps, nous, bon Dieu, voulait nous toujours en santé. Il voulait que nous prospérions et nous toujours en santé. Même j'en nomme nous en santé, c'est pour nous toujours en santé. Je dis à quelqu'un qui peut reconnaître ça. Eh bien, Mabdo, ça, son grande réalité, la Bible est claire sur ça. Bon Dieu voulait nous toujours en paix, il voulait toujours en joie, il voulait qu'elle nous toujours content. La embologie que tout ça a arrivé, il dit que c'est pour nous pas jamais suspendre la prière. Parce que lorsque nous prions, il y a un chemin, un canal qui crée entre nous-mêmes avec les pères, entre le ciel et la terre. Pas oublier, notre Dieu est au ciel. Dans Somme 15, Zézal dit, notre Dieu est au ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La embologie que l'aime prier, il y a un canal qui crée entre le monde visible et invisible. Lorsqu'on parle du monde invisible, on parle là où Dieu réside.
côté bon Dieu habité, hein, et dans le dernier sommet, hein, c'est l'allié. Là, et la Bible dit que mon canal qui crée et entre nous-mêmes et le ciel. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et pour le canal ça créer, eh bien, il suffit que moi rester dans la prière. Moi, je dois rester dans la prière pour le canal ça arrêter. Maintenant, la prière, c'est une atmosphère qui crée et qui crée entre un canal, un chemin, qui crée une route entre nous-mêmes avec bon Dieu. Là, immédiatement, je prie et il y a des bagailles qui peuvent venir. Mais si je ne pas prier, c'est comme si c'est des portes qui bloquées. Il y a des gens qui ne pas comprendre ça. Et ça fait, les nouveaux épaules, nous retenons la prière, c'est pour nous qu'à toujours joindre et pour chemin, c'est pour chemin, ça n'a pas de créer, pour nous qu'à venir bien rapide. Là, en bon logique, prier sans cesse, et c'est parce que bon Dieu reconnaît la prière importante. La prière a une grande importance, et c'est lui-même qui touche que bon Dieu. Et parce que bon Dieu te dit ça, non. Dans Déconique 14, je crois, verset 17, on a regardé la réponse. Pour nous voir qui ça le Seigneur dit. Alors Déconique 7, verset 14. Déconique 7, verset 14. La parole de Dieu dit que, non, t'es que ça. Et laisse ça. Si peuple qui porte le nom dans la prière, dans la prière, si yo soumet devant moi, si yo prend chercher encore, si yo vire le bail, vie et péché, yo tape plein de feu, m'a tendé yo dans ciel côté miya, m'a pardonné péché yo, m'a fait payer à camper encore. Là, et parole ça te dit, c'était bon Dieu t'a fait Salomon well encore, et dans verset 11 là, le roi Salomon fin bâti temple Seigneur ensemble avec Paléa, les fin fait tout ça, il te gain le libre fait dans yo. Seigneur a fait Salomon well encore un jour la nuit. Il dit Salomon comme ça et moins tendez la prière ou fait dans pied me choisi Kaïsa pour servir côté pour yo venir prier bête bon moins. Regardez bien, choisi Kaïsa pour servir côté pour yo venir prier bête pour moi. Si moi t'arrivé faire mes ciel là pour la pluie pas tomber. Si moi t'a voyé cricket pour dévorer pays, si moi t'a voyé yon mauvais maladie sous peuple là, les ça, si peuple qui pote nom, alléluia. Si peuple qui pote nom, et si t'a un malaise qui frappe sous pays, peuple qui pote nom, vini côté moi, et yon soumettre devant moi, parce que lorsque nous prions, nous devons prier avec soumission. Est-ce que vous comprenez là? Nous devons nous soumettre devant Dieu en priant. Et si nous ne pas prier avec soumission, prier à pas exaucer. Prier nous n'a pas qu'à exaucer si nous ne pas prier avec soumission. Regardez bien ce verset. Et de Chronique 7, verset 14. Si les Sahara, si peuple qui porte nom la prière dans le si vous soumettez devant moi. Ça veut dire que pour prier dans exaucer, il faut d'accord pour me soumettre devant bon Dieu. Comment je fais pour me soumettre devant bon Dieu? Bon Dieu, nous c'est Kamax, bon Dieu, ben nous, malheureusement, je n'ai pas de connecter avec le sujet, mais Saint-Esprit est venu réfléchir dans l'essai, pour qu'il n'y ait pas de micro, nous faire, pour nous capables de garder, parce qu'il y a plein de monde qui appelle la prière, mais il n'y a pas de réponse. Bon Dieu, pas de bonne réponse, sous pas prier selon la parole. Nous devons prier selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Et c'est lui qui dit nous prier tout, c'est la parole de Dieu qui exige nous pour nous la prier. Là, c'est que, regardez bien ça texte là, il dit que si peuple qui pote nos mains, la prière dans la prière, et se soumettre devant moi, parce que avant de prier, il faut d'abord se soumettre. Oui, nous devons nous soumettre devant Dieu avant de prier, et nous devons soumettre. La soumission, c'est un élément clé dans le verset. Il dit que, si on prend un chachem encore, là en bon logique, les nous font bagaille qui mal, bon Dieu, on dit gens, écartez-nous pour le capable de le sang. La Bible dit que si les Sahab, nous prenons pour chercher bon Dieu encore, c'est en bon logique, l'on pas soumettre devant bon Dieu, écartez de bon Dieu, ou séparer de Dieu, bon Dieu, ou désobéir bon Dieu, il n'y a pas d'intérêt pour le tomber, il n'y a pas d'intérêt pour bon réponse. Et il m'a appelé un texte hier soir pour nous. Il dit nous ça, regardez, c'est Proverbe 18, je crois.
Proverbe 15, verset 29. Et il dit que les méchants ont prié, Seigneur, pas sous boyo, mais il n'y a pas les oreilles pour écouter sa monde qui marche droit, tu vas dire. Bon Dieu, pas tant de tout le monde. Hein? Bon Dieu, pas tant de tout le monde. Car on est clair. Bon Dieu, pas tant de tout le monde. Pour bon Dieu, tendez au fort d'accord, soumettre, fort d'accord, et respecter tes fort d'accord, mais non, vie d'obéissance. Regardez bien ça, Proverbe 15, verset 29, à dit là, il dit que les méchants ont appelé la prière, Seigneur, pas sous boyo, mais il n'y a pas les oreilles, pour écouter sa monde qui marche droit, tu as dit. La embologie, l'homme marche droit, Seigneur, prêt pour le couteau. Mais depuis ces bagailles mal ou fait, ou pas d'accord, obéir à la parole de Dieu, Seigneur, pas pour couteau, l'homme la prière. Là, comprenez bien, ce Devland ou même à tout, ce Kamax Kapoute nous, que si elle a ouvert les yeux, parce que le texte est clair sur ça. Et pas oublier non, Proverbe 15, verset 29, Proverbe 15, verset 29, gardez l'homme de panneau souligné, les méchants ont appelé la prière, et Seigneur n'a pas soumis, mais il n'y a pas les oreilles pour écouter tout le monde qui marche droit. Ça veut dire, si vous ne pas soumettre devant mon Dieu, ou pas marcher droit, la Bible est le méchant. En désobéissant, bon Dieu est le méchant. Alors, regardez mon Léo dit méchant, je pense que c'est mon capturé. Alors, mon capturé, mon Léo là-dedans tout, mais c'est pas eux seulement. Et un monde qui n'est pas d'accord soumettre à la parole de Dieu, la Bible dit que c'est un méchant lieu. Parce que dans Isaïe 59, et nous voyons que le prophète Isaïe, et puis Israël, on a la prière pour mon Dieu capable de porter des délivrances pour eux. Non, pas quelle situation, ils ont été tombés en bas, mais en bas de notre nation qui a crasé, même ils ont courageux. Eh bien, ils n'ont pas compris, ils ont prié, bon Dieu, pas attendu. Prophète Isaïe, le Seigneur a utilisé prophète Isaïe pour dire, c'est pas prier ça au bon Dieu besoin. C'est pour nous quitter méchanceté, c'est pour nous quitter crime. C'est méchanceté, nous prenons une séparation entre nous-mêmes et bon Dieu. C'est parce que le Seigneur manque de force, qui fait le pas venir délivrer nous les nourrir. Mais c'est trop péché qui empêche bon Dieu de faire un bagage pour nous. Là, ça me comprend dans le texte, c'est que méchant, c'est monde, c'est désobéissant. Monde qui attend de la parole chaque jour dans les oreilles, mais pas prendre conscience pour changer la vie. La ciel a dit que monde ça y a fait yo, et règlement au plus terrible devant bon Dieu. Et dans Hébreux 10, verset 31, la parole de Dieu déclare, c'est un bagage qui est terrible pour le monde tomber en bas, mais bon Dieu vivant. Là, mes frères et sœurs, nous-mêmes bataille pour nous, ouais, si nous va respecter ça, bon Dieu dit. Parce que des fois, bon, l'on va respecter ça, bon Dieu dit, c'est pour malheur, c'est pas pour bonheur. D'ailleurs, c'est pour l'on respecter bon Dieu, c'est pour la bon. Parce que le Seigneur dit, et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là, l'homme la prière, il faut moi garder la vie pour moi. Est-ce qu'il ne pas fait bon Dieu un bagage qui peut faire le fâcher? Si réellement moi fait bon Dieu un bagage qui peut faire le fâcher, ne pas respecter ça, bon Dieu dit non, et bien qui ça va le passer? Bon Dieu, pas tant de prières ça. Mon paquet de prières va exaucer, vous pensez que c'est le bagage. Et pourtant, c'est parce qu'il n'a pas respecté ça, bon Dieu dit. Là, regardez bien, dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, laisse à un si peuple qui porte nom. Non? Comment nous faire porter nom, bon Dieu? Nous porter signature, bon Dieu. Comment bien, oui? Si peuple qui porte nom, ça veut dire, c'est comme si je suis un Brice. Ici, un bruit, avec lui, nous portons nos papas, mais lui, si peuple qui porte nos mains, la prière dans pied. La embologie, puisque nous portons nos bon Dieu, nous héritons mon Dieu. Nous héritons mon Dieu, pas de monde qui a fait, nous pas héritons. Si toute bagaille qui est sur la terre, c'est pour l'éternel, toute bagaille qui est sur la terre, c'est pour nous tous. Mais je dis à pourquoi ça, les hommes pas d'accord soumettre. Nous avons problème de soumission, hein. Nous avons problème de soumission. Et depuis, nous pas soumettre à la parole, il y a des bagailles, bon Dieu, pas besoin de faire pour nous. C'est ça le besoin qu'on a. Là, c'est puisque nous portons le nom de Dieu, nous sommes petits de bon Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, je dis à nous, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors, qui est ce monde qui a accepté Jésus comme son veillé maître? Je dis à immédiatement, nous sommes petits de bon Dieu, nous portons le nom de bon Dieu, nous signons, nous portons la signature de bon Dieu. Et bien, qui s'est passé? Nous héritons tout ça, papa nous gagne. Là, vous comprenez, l'Éternel dit dans Somme 24, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle enferme, le monde de ceux qui l'habitent. Toute bagaille qui est sur la terre, c'est pour papa nous, puisque nous signons papa nous. Nous pouvons dire non, papa nous. Eh bien, toute bagaille qui est sur la terre, c'est pour nous. Là, nous n'avons pas besoin de nos problèmes pour casser quoi nous. Mais bon Dieu voulait que nous créions un lien de prière. Nous devons rester en connexion avec bon Dieu en permanence pour mon taille qui a dépassé, pour washer, carouler. Parce que bon Dieu, non, c'est bon Dieu, tout bon Dieu. Alors, mes frères et sœurs, regardez bien. Ni les sacerdotes qui portaient non, non, la prière dans pied, si vous soumettez devant moi, si yo prend chercher encore, lève le chercher encore, c'est que immédiatement on désobéit à la parole. Maintenant, où met chercher bon Dieu, c'est comme si pas chercher, parce que il dit que les méchants prient, bon Dieu bouche les oreilles, il vit et finit pour eux.
mais les monde qui doit là monde qui va séparer avec bon Dieu hein? Et bien qui s'est passé bon Dieu prêt pour tenter pour exaucer prière là il dit que si vous virez Dubaï vieux péché vous cap fait là abologie la soumission veut dire qui ça virer Dubaï vieux péché nous cap fait parce que depuis nous avons péché dans la vie mes frères et sœurs bon Dieu pas tomber bon Dieu pas gain rapport avec péché nous cap tomber on serviteur de Dieu qui alors c'est un prophète yo qui dit que les yeux de l'Éternel soit Zacharie ou Malachie les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir les péchés les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché et m'a regardé pour moi fini les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir les péchés bon Dieu pas qu'à péché mes frères et sœurs puisque bon Dieu pas qu'à péché nous bon gens pour nous y pour nous capables amis bon Dieu nous pas qu'à péché pas qu'à prendre sans péché parce que ses yeux sont trop purs comprenez bien la embologie dit que c'est pour nous virer d'eau by vieux péché donc fait ou elle le vieux péché ça veut dire bagaille senti Dieu qui pas dans volonté bon Dieu pas d'accord nous faire OK il pas d'accord nous faire immédiatement nous prenons décision pour nous faire bon Dieu a bien problème avec nous attendez bien OK et faut nous d'accord ça immédiatement nous tomber dans démagogie ça yo bon Dieu pas attendre nous et puisque bon Dieu pas attendre nous on a fait prière en vain la connia nous gal dit bon Dieu comment bon Dieu fait pas attendre nous non c'est pas bon Dieu pas attendre nous c'est notre problème OK d'amen nous comprendre ça parce que bon Dieu clair sur ça la connia qui est important ça prier bien c'est de ça nous parler d'amen clair ta prière qu'on paquet de potos parce que pour bon Dieu bon me prendre ça moins besoin c'est demander pour demander si me pas demander m'pa besoin rien d'ailleurs nous comprendre et si me pas demander m'pa besoin dans Matthieu 7 verset 7 il dit demander à ba nous chercher na joindre frapper à l'ouvrir pour nous parce que la prière même vous le demander bon Dieu ça me besoin demander bon Dieu ça me besoin là si me pas demander bon Dieu c'est parce que me pas besoin il dit mandé y a ba nous chercher na joindre frapper à l'ouvrir pour nous moun qui pas mandé c'est parce qu'il pas besoin moun qui pas chercher et c'est parce qu'il pas voulu joindre tout moun qui pas frapper c'est parce qu'il pas voulu ouvrir pour lui là en bon l'homologie qui me paraît devant porte si moi porte la fermer c'est frapper pour me frapper mais pas gagne l'autre canal pas gagne l'autre moyen pour me frapper en ce sens c'est prier pour me prier prier pour me dire papa je veux tel bagaille me voulez ça me voulez ça me voulez ça voyez-le pour moi papa et en vérité papa a voyé pour moi. Pour bon Dieu, content de vous, mes frères et sœurs. D'amen, nous clair. Bon Dieu, tendez. Il tendez. Là, je vais montrer mon texte là. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs. Sont trop purs. Je vais chercher le bon nom. Et pour nous capables d'aller ensemble. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Ok, c'est Habacuc, premier verset. 13. Habacuc 1er verset 13. OK. Il dit les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. OK. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Ça veut dire péché ne peut faire péché. Les yeux de l'Éternel ne peut pas regarder ça. Et bagaille iniquité, bagaille qui dépasse les bornes, n'a fait qui pas la volonté de Dieu. Bon Dieu pas qu'à supporter, bon Dieu pas qu'à tolérer. La ontologie, l'ordre d'accord vivre. Yon telle vie ou mettre comment bagala compliqué pour vous bagala compliqué pour vous la embologie le Seigneur m'a demandé pour nous des soumission va nous soumettre et ensuite abandonner nous devons abandonner il y a des monde qui a demandé bon Dieu pardon pour un bagaille il pas de prendre décision pour l'abandonner mais il pensait que le Seigneur peut le faire bagaille le Seigneur va faire rien il va faire rien ou pas prendre décision pour abandonner il faut abandonner c'est ce qu'on appelle la bonne conversion ou la vraie conversion ça veut dire la conversion. Dans le pardon, il y a deux phases. La première phase, c'est la repentance. Et la deuxième phase, c'est la conversion. Lorsqu'on dit la conversion, repentance, nous, est le regret. Ou regret parce que tu commets un bagaille. Ou tu poses telle action, ou regret pour ça. Ça veut dire, conscience ou travail, ou diable. Comment tu fais faire vivre bagaille ça? Ça on appelle ça et repentance. Maintenant, est-ce que repentance, ça suffit? Non. Il y a ce qu'on appelle la phase de la conversion. Il faut se convertir. Comprenez bien, oui? Moi, je dis, ok, nous déposons une action, nous regrettons ce que nous faisons. Mais qu'on a qui décision prend? Bon, on me dit, bon, je vais quitter bagaille, ça ne va jamais faire ça encore. Laisse ça, on prend position. Maintenant, on quitte bagaille, quitte assez vite conversion. Et ça fait des fois, donc on te dit, femme pas facile convertir. Là, on dit, femme pas facile convertir en ce sens,
c'est parce que fond là il est pas un mec qui tombe à gagne, il doit remet jouer et puis il est converti. Mais malgré le converti, elle continue à jouer toujours. Là, il s'appelle, dit, femme pas facile, toujours converti. Parce que la conversion, lui dit, déplacer, quitter son affaire. Quitter position, ça. Je suis dans telle position, quitter, moi, déplacer, je ne pas dans le bagage, ça encore. Dans mon clair sur ça. La embologie, le Seigneur m'a dit pour nous abandonner, pour qu'il pardonne nous, pour qu'il attende nous. Et nous prier encore, nous les chercher encore, c'est pour nous abandonner le péché. Abandonner le péché, nous défaire, vieux péché, nous défaire. Mais ça, lui dit, m'attendez, yo, dans le ciel, là, côté nia. Pour me tendre nous, il faut nous prendre conscience de l'état nous et puis il faut nous abandonner. Si nous ne pas abandonner, moi-même l'éternel ne peut pas tendre nous. L'éternel du côté bien dans le ciel là, m'a tendre nous. Pour qui ça? Notre Dieu est tout partout à la fois. Il est partout à la fois. Voilà pourquoi on l'appelle l'omniprésent. Notre Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, omniscient, il connaît tout bagaille, omnipotent, lui qui a fait tout bagaille, il n'a pas besoin de demander personne de conseil. Et puis omniprésent, il est partout à la fois. Et pendant que je parle là, il y a avec Haïti, il y a avec Saint-Josiane. Et c'est Grévelade la Guyane, il y a avec ses Kamax, il m'a dit qu'on doit vivre, et vous dites qu'on doit vivre là. Maintenant, quand il y a bon diable, parce que bon Dieu pas gain limite, bon Dieu sans pareil, bon Dieu pas gain sous la tête cassée de bon Dieu, parce que c'est lui qui fait tout le bagage. Là, c'est ça que je voulais montrer où, et à cela. Et premier bagage pour faire local la prière, après au fin de gloire pour bon Dieu, au fin de glorifier de nos yeux. Et que ton règne vienne, Seigneur, faut demander pardon pour péché. Et l'offre pour demander pardon, faut conscient, dit Seigneur, moi je voulais quitter. Moi je voulais quitter péché. Et je me raï, je me gagne mon soukœur. Seigneur, pas quitter ça arrive encore. Là, en vérité, si elle a pris faire bagaille, on va pas même espérer. Là, et nous te gardons trois versets. On a 1 Thessaloniciens 5 et verset 16, 17, 18. Dans verset 16, il dit, c'est pour que nous toujours contents, on va le prier, on ne va pas paraître avec fâchement. Des fois, bon Dieu, non, pas de fâcher. Pas de fâcher, parce que qui est toujours content, c'est ça le dit. C'est pour que nous toujours contents, c'est ça le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et dans verset 17, il dit, pas jamais suspendre la prière. Pas jamais suspendre la prière. Et dans verset 18, il dit, dis bon Dieu merci pour toute bagaille. Là, nous appelons un verset dans Psaume 50, il dit que l'aime nous dit bon Dieu merci pour toute bagaille, c'est là, ça nous fait longer. Mais il y a des gens qui pas jamais dit bon Dieu merci depuis exister. Tendez bien, oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire bon Dieu merci et de plus exister. Là, en logique, c'est pour nous dire bon Dieu merci pour tout le bagaille. Et c'est ça, mon Dieu, demandé nous. Et nous-mêmes qui mettons confiance dans mon Dieu, c'est pour nous dire bon Dieu merci pour tout le bagaille. Merci Seigneur pour tout le bagaille. Merci Seigneur pour tout le bagaille. Merci Seigneur pour tout le bagaille. Nous devons remercier le Seigneur pour toutes choses. Quel que soit ça, mon Dieu fait, c'est pour nous dire merci pour tout le bagaille qu'il fait. Immédiatement, nous ne pas dire merci pour tout le bagaille, lui-même l'a gardé nous mal. Est-ce que nous comprenons? Là, nous devons remercier le Seigneur pour toutes choses, car notre Dieu est un Dieu de jalousie. Notre Dieu est jaloux. Oui, il est vraiment jaloux. Dieu pratique la jalousie de façon profonde. Maintenant, si nous ne pas dire merci pour tout le bagage, c'est que c'est parce qu'il n'a pas fait tout le bagage. Le bagage, bon Dieu, fait pour nous, nous ne pouvons pas témoigner. Il y a des gens qui sont vraiment ingrats. Ingratitude qui a empêché mon Dieu de les prier aussi. Parce qu'il y a un monde qui est ingrat, il péché contre mon Dieu. Est-ce que nous comprenons là? La embologie, la prière a une pile valeur, une pile importance. Si malade ne pas prier, c'est parce que je connais bon Dieu pas qu'à guérir. Si c'est qu'un docteur malade, c'est parce que je connais ce docteur qui a guéri. Mais c'est que mal qu'un docteur, c'est parce qu'il fait docteur à confiance. Et bien, si je fais docteur à confiance, et pour qui ça me fait mon Dieu confiance qui crée moi? C'est pas, et pas docteur qui fait. Bon Dieu fait moi. Et bon Dieu qui a changé bras, qui a changé les yeux, qui a changé bouche moi. Quelque soit partie dans le rêve qui a fait mal, bon Dieu qui a changé yo. Mais est-ce que le docteur, quand il est pour changer telle partie comme ça, il n'est pas capable, il va créer rien. Il ne va mettre rien. Là, en bon logique, ce Griveland, ce Kamax, c'est pour nous et apprendre à respecter sa bon Dieu dit. Et en vérité, nous pas, nous n'avons dit point, nous prenons, il a dit, et c'est diable, nous, c'est bagaille. Nous pas diable, nous sommes petit bon Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. Mais dès que nous respectons la parole, nous allons avancer profondément. Là, la prière n'est pas une balade. La prière donne la solution de toutes sortes. Moi-même, je dis ça, moi fais une grande expérimentation à travers la prière. Là, c'est pour ça, mission, c'est d'arrêter dans le pays de Dieu 24 sur 24 pour ne pas faire l'autre bagaille. Prier, lire la Bible, méditer avec Frère Murak. C'est mon ambition. Il me dit, Seigneur, ça. Il me croit qu'avant Jésus retourner, la paix pour me mettre dans le pays de Dieu 24 sur 24. Là, nous avons clair. L'autre raison qui fait nous besoin de prier, on va regarder dans Luc avec moi. Et je crois que je vais continuer
sous même lancer pour nous capables de continuer avec la prière parce que nous ne pas comprendre l'importance de la prière. Luc 21 verset 36 pour nous ça la parole de Dieu est déclarée et Luc 21 verset 36 il y a des gens qui pas comprendre l'importance de la prière. L'importance de la prière. Regardez bien avec moi dans Luc 21 verset 36 la parole de Dieu est déclarée pas quitter dormir pour nous la prière tout le temps. Tendez bien oui. Pas quitter dormir pour nous la prière tout le temps. Pour qui ça Jésus dit parole ça. Pas quitter dormir pour nous la prière tout le temps. Pour qui ça? Verset avancé. Il dit que pas quitter dormir pour nous la prière tout le temps. Comme ça n'a gain force pour nous chaper en bas tout ça gain pour lui. Pardon. Comprenez bien oui. Pas quitter dormir pour nous la prière tout le temps. Comme ça n'a gain force pour nous chaper en bas tout ça gain pour lui. Pardon. Comprenez bien oui. Comme ça n'a gain force pour échapper en bas tout ça qui est pour arriver. Parce que Gabriel, bon Dieu, nous invite. Que si elle l'a touché avec famille, qu'on y a même. La prière tout le temps, c'est ça le dit dans Luc 21, verset 36. Pas quitter dormir pour nous. La prière tout le temps pour nous gagner force, pour nous échapper en bas tout ça qui est pour arriver. Je dis à l'église, a un problème. Et à travers le corona, ça qui vient frapper le monde. L'église n'a pas de temps pour prier. L'église n'a pas prié encore. L'église va prier. L'église n'a pas de temps pour la prière. L'église n'a pas de temps pour prendre enseignement de la parole. L'église n'a pas enseigné encore. L'église passe le temps pour chercher du riz, pour chercher poids, pour chercher viande, pour chercher visa, pour chercher nègre, pour chercher femme, pour chercher tout le bagage. L'église n'a pas prié encore. Si Corona a venu là, il a ébranlé le monde. Et moi, je m'attends à la question de Corona. Il a fait moins. Je fais moins pour nous prêcher l'évangile encore. Parce que la Bible dit que bon Dieu va nous pouvoir, dans Matthieu 10, verset 1er, la Bible va nous pouvoir pour nous guérir toute qualité maladie, pour nous guérir toute qualité infirmité, pour nous chasser toute qualité démon. Et la Bible va nous pouvoir dans Luc 10, verset 19, pour nous marcher sur ses parents et scorpions, pour nous craser tout pouvoir Satan en bas de nous, pour rien mal pas gagner nous. Il dit rien mal. Est-ce que Corona pas en mal? Est-ce que maladie pas en mal? Est-ce que la mort pas en mal? Pour un mal pas gagner nous. L'église primitive qui fait un paquet de miracles. Si nous prenons apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, nous faisons pile miracle. Nous avons mouchoir dans le poche pour guérir les gens. Souhait dans le fond, nous tombons sur le monde guérir. L'ombrage guérit les gens. Dans l'époque de Jésus, depuis qu'il y a un monde qui est malade de côté, depuis Jésus passé, il brise la maladie. Parce que le monde qui est malade, pas qu'à faire bon Dieu. Si nous sommes malades, nous ne pouvons pas connecter avec nous. Moi-même, je suis couché dans la cabane. Moun mouri pa ka fè bon Dieu. Et bon texte qui dit que bon Dieu pas pour bon Dieu tout monde vivant, bon Dieu pas rien à voir avec mort. Bon Dieu c'est bon Dieu vivant lié. Tout monde qui mouri, bon Dieu pas rien à voir avec eux. On t'a ramené nous clair sur ça. Là Jésus dit pas quitter dormir pour nous, la prière tout le temps, comme ça n'a gain force pour nous échapper en bas tout ça gain pour arriver, pour nous camper droit devant mon bon Dieu voyé dans la chair. Tendez bien oui. Regardez bien dans verset 37. Il dit toute la journée Jésus était dans le temple là, il t'a montré mon Dieu en pile bagaille. Qui en pile bagaille Jésus t'a montré mon Dieu? Jésus t'a enseigné peuple là. Il t'a montré la parole. Il t'a montré comment foi doit grandir. C'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça Romains 10 verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si réellement nous parlons la Bible, pour nous respecter sa Bible dit, nous foi nous pas qu'à grandir. Devant n'importe petit bagaille, n'a couru, n'a fait bac. Hein? Nous recevons bénédiction pasteur. Tenez bien. N'a fait back devant certaines situations. Mais regardez bien aujourd'hui ce qui a passé dans le monde. Depuis ces bagailles sensuelles, bagailles impudiques, nous n'avons pas de problème pour entrer, participer, entrer là-dedans. Mais depuis ces bagailles, bon Dieu, tout le monde gagne. C'est comme si manger son pour faire bon Dieu. Mais les gars, comment pour bon Dieu faire épanouir les grandes épidémies, les grandes pandémies? Non, dans Psaume 91, verset 5, 6, si elle a dit que. Et puis, il y a une maladie qui a tombé sur le monde dans la nuit, une épidémie qui a tué le monde au midi. Qui dit ça? Bon Dieu. Si c'est ton homme de pied qui te dit ça, nous t'avons cru. Mais, cousin, bon Dieu, qui ça? Satan m'a été nous pour nous capables, comme si, démentir ça, mon Dieu dit. Là, nous avons un problème. La prière bail repos. La prière change tout le bagaille. La prière créer, faire route côté route, pas de jambes espérer pour faire. La prière lever mon dignité, la prière craser sécueil, la prière craser complot, la prière ou les roches, la prière fendre la mer rouge, la prière fermer bouche lion pour Daniel, la prière
et fait une fournaise qui chauffait et plus que 12 fois. Attendez bien, oui. Plus que 21 fois. On fournaise, oui. La prière fait fournaise à fret tant qu'on bloque glace. La prière fait toute bagaille. La prière donne la délivrance. La prière fait ennemi. Tout est ennemi, t'a planifié, fait complot sous dos. Attendez bien, oui. Maintenant, au moins qui va prier, on va prier. Ne vous pas prier, on va pas prier. Parce que la prière, c'est le seul moyen de nous communiquer avec mon Dieu. Bon Dieu, il y a deux canaux. Il crée un canal pour parler avec nous. Et puis, nous-mêmes, il y a un canal pour lui créer un autre canal pour nous parler avec elle. Canal, nous parler avec elle, c'est la prière. Canal, il parle avec nous, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de connaître bon Dieu sans la parole. Là, en bon logique, Jésus, toute la journée, Jésus était dans le temple. Il t'a montré mon Dieu en pile bagaille. Mais le soleil fin couché, il était qu'on a passé une nuit puis sous monde au livre là. On a question pour nous poser. Ça, Jésus était qu'on a fait sous monde au livre là. C'est question ça pour nous poser. Là, on a regardé Luc 5 pour nous capable de répondre à la question ça. Ça, Jésus était qu'on a fait sous monde au livre là. Ça, c'était qu'on a fait. On a regardé bien. On a regardé bien. Dans Luc 5, attendez bien, oui? Verset 12. La parole de Dieu déclare. Laissa Jésus monter sous un timon pour la prière. Il passait toute nuit là à la prière. Luc 5 verset 12. Tendez bien oui? Là dans verset 37 là, la Bible dit que toute la journée Jésus était dans le temple là à enseigner et disciples avec peuple là. Il dit toute la journée Jésus était dans le temple là à enseigner disciples avec peuple là. Quand soleil couché, il était qu'on a passé nuit puis sous mon olive là. Qu'on y a l'air qu'on a passé une nuit sous mon olive là. Il y a monde qui a pensé plaisir Jésus qu'on a prend sous mon olive là. Non, c'est pas plaisir Jésus qu'on a prend. Regardez bien dans Luc 5 verset 12, il dit laissa Jésus monter sur un timon pour la prière, il passait toute nuit là à la prière. Yo dit à monde pas vu la prière. Mon n'a pas rentré l'église 3 secondes il besoin aller. Comment pour mon aller que l'état fait miracle? Comment pour l'état fait produit? Comment pour l'état fait merveille? Garde nous clair. Moi-même, je fais un petit cas d'expérience tout petit. Et je continue là-dedans parce que je vais le résultat. Je vais 10 ans depuis que je prêché dans l'Assemblée de l'Église. Je demande à mon Dieu si je dépense un bout de caille docteur. Depuis que j'ai un problème, je viens de me prier avec. Dans le moment où on a là, tu as 19 là-dedans. Pendant que je suis peut-être mon avec eux qui gagne un fièvre qui prend au tête fait mal. On est un nègre qui fait au père, dit que. Et bagay sa yo c'est coronavirus sur l'autre forme Haïti. Yo tout pè. Et bien, m'te gen yon bouteille d'huile, m commence à parler à bon Dieu, cet esprit dit mouta bouteille d'huile là sur mon nom, mouté avec elle et puis me fait tout venir prier pour eux. Mes amis, nous mettre relé dans téléphone, nous gen là de ses famille nous. Notre demain après-midi, tout témoin yo pas si tête fait mal mouté, yo pas si manger son mouté, yo pas si la fièvre mouté, yo pas si corps crase mouté. Yo tout témoin net dans demain soir. La comprenez bien. On pas bailler en pile temps pour Christ. Mais si nous vinn cabaret n'a pas fait enquête, n'a pas même séyoun dans l'église et l'église m'a j'ai bon Dieu séyoun dans l'église qui presque réuni de temps en temps. Mais mission c'est pas ça. Nous devons avancer, nous devons aller plus loin. T'as aimé nous comprendre ça. Plus nous cherchons bon Dieu, c'est plus nous gain puissance nous augmenter. Si nous prenons l'église primitive, la négligence est en pied, bon Dieu, 24 sur 24. Mais là, dans Luc 21, verset 37, là, la Bible dit toute la journée, Jésus était dans le temple. Il t'a montré mon lieu en pile bagaille. Mais le soleil fin couché, il était qu'on a passé une nuit, puis sous mon olive là. Là, puisque le texte n'a pas dit qu'il s'est qu'on a le fait, mal gardé dans l'autre référence, qui dit que le sage Jésus montait sur un timon pour la prière, il passait toute la table à la prière. Là, il s'est fait toute journée hein, à enseigner le Père bon Dieu. Hein. Avec disciples. Et puis dans la nuit, il montait tête dans la prière. Est-ce que vous comprenez ça, vous dit? Il t'a cherché force. C'est ça, verset 36, ça dit. Il dit qu'on ne s'est pas quitté dormir pour nous, la prière tout le temps. On monde qui a dormi spirituel, on monde qui va prier, son monde qui est dans le sommeil spirituel. On monde qui est dans le péché, son monde qui a dormi sur le plan spirituel. On monde qui va respecter sa Bible, dit, son monde qui a dormi sur le plan spirituel. Et la Bible dit que la prière tout le temps pour nous gagner force. Pour nous chaper en bas tout ça qui est pour vivre. Soit c'est catastrophe naturelle, soit c'est épidémie, soit c'est magie, soit c'est expédition, soit c'est assassinat, soit c'est toute l'autre bagaille nous connaissons dans le monde. La Bible dit prier pour nous gagner force pour nous chaper en bas tout ça qui est pour vivre. Là, Jésus lui-même, l'aile monte tête monde, qui ça le fait? C'est des vraiment forces étalées pour qu'il guérir les gens, pour qu'il chasse des gens. Parce qu'il était grand pile monde pour guérir chaque jour. Mounioté derrière Jésus parce que Jésus t'a fait pile guérison, Jésus t'a fait pile miracle, Jésus t'a fait pile prodige.
Regardez bien plus bas pour nous saluer. Le verset 17 et Luc 5 verset 17. Alors non, Luc 6. Alors Luc 6 verset 12, Luc 6 verset 17. Excusez-moi. OK, on dit Luc chapitre 6 verset 12 et puis Luc 6 verset 17. Tenez bien. Les Jésus de Saint-Timon non, dans verset 17. Jésus de Saint-Timon non à il était sur un petit platon. T'es gain en pile notre disciple yo qui te semblait là avec un gros maspep moun yo te sorti tout partout. T'es gain moun la ville Judée, moun la ville Jérusalem ak moun nan la ville Tyr ak la ville Sidon ki bolan meya, yo te vinn tande li, yo t'ap mande guéri malade yo tout. Quand y'ap tande Jésus, y'ap mande Jésus pour guéri malade yo tout. La regardez bien, ki sa Jésus fait? Et est-ce que Jésus pa guéri malade yo? Et comme sou ta m'ap prêché là et pour gon maladie ou pas commander pour me prier avant. Non, faut me prier avant. Vous devez exercer la foi et nous allons prier le Seigneur. Parce que tenez bien, la Bible dit que dans Marc 16 verset 17, tout le monde qui peut va faire un pile miracle, il a chassé des démons, il a parlé l'autre langue, même quand d'abord poison, il a attaqué les serpents, un mal va briser, il a posé mais sous tête pour malade, mon malade va guérir au nom de Jésus. C'est ça la parole de Dieu déclarée. La embologie, Jésus te monte tête maintenant, il a cherché force. Regardez bien dans verset 18, il dit monde qui était des mauvais esprits sous yo et t'es joué une guérison et ensuite tout le monde t'a cherché moyen Jésus parce que Jésus t'a gagné en force qui t'a sorti dans lit qui t'a marché guéri tout le monde. Tenez bien, tout le monde a le droit de toucher Jésus. Ça fait me sentir que le Jésus t'a monté petite tête pendant la prière, c'est force qui t'a emmagasiné pour t'être capable de guérir malade, pour t'être capable de chasser des morts, pour t'être capable de guérir un paquet de monde. Nous sommes des femmes pètes de sang qui passaient 12 ans avec docteur. Quand il devait, quand tout le monde n'a rien pas marché, il entendait parler de Jésus. Et puis, il dit que si je touche avec Jésus, je vais parler de Jésus à moi, quoi que je m'aime une guérison, sans à couper. Et il faut en vrai, malgré Jésus était pressé dans la foule, l'entrée dans la foule là, il touchait avec Jésus, même côté là, sans couper, fap. Et les sans couper là, Jésus dit, qui est-ce que je m'aime maintenant? Les disciples disent, mais. Non, mais t'as foule moun sa oppressé là. Comment faire sentir son moun manon? Jésus dit yon m'gon force qui saute nan moi. Ça veut dire force qui te nan dame nan. Il te besoin force supérieure pour te briser. Et ça fait maladie pas jamais venir comme ça. Tout moun qui malade, maladie a sauté nan diable là directement. Et son homme qui vient dans la voie avant, nan depuis l'entrée, il faut malade. Parce que dans Deutéronome 7, verset 15, la Bible dit que maladie pas faite pour nous, il fait pour tout malfaiteur, méchant ennemi. La embologie. Et les Jésus passaient toute minute à la prière. C'est plein de recharger batterie pour être capable. Chaque monde qui touchait, il y a une force qui sont dans lui. Chaque monde qui touchait Jésus, il y a une force qui sont dans lui. Chaque monde qui touchait Jésus, il y a une force qui sont dans lui. Là, il guérit mon nom directement. Pour nous, il y a comme ça, ou pas qu'à guérir. Tout le monde qui croit capable de guérir, il y a qu'à faire miracle, il y a qu'à chasser des mots, il y a faire tout le bagaille, tout le monde qui croit. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, tout le monde qui croit va faire un pile miracle. Là, de nos jours, mon Dieu est comme s'il a comparé et comme s'il a dit c'est faux prophète qui a fait miracle, c'est faux docteur qui a fait miracle. Frère Sonny, bon Dieu, nous, c'est faux docteur qui a fait miracle, c'est faux prophète qui a fait miracle. Si on bagaille faux, c'est qu'il n'est pas vrai. Mais si faux a fait miracle, vrai a dit qu'il a fait plus miracle. Dernièrement, on a parlé d'un prophète qui a fait un paquet de bagaille dans le pays. Ça, et puis, tout passe à critiquer. Moi, dis, monsieur, je ne vais pas vous critiquer un faux prophète qui a fait miracle. Si faux prophète qui a fait 4 miracles, nous devons faire 8. Pour qui ça? Parce que l'évangile pas nous en vrai, pas la faux. Mais nous clair sur ça. La embologie chrétienne fait pour mettre dans la dimension, pour yo faire tout ça qui est écrit dans la Bible. Là, nous voyons que la Bible dit tout le monde a cherché moyen Jésus, parce que chaque moyen de force qui saute dans Jésus qui a guéri mon Dieu. Ça veut dire ça, ça veut dire qui ça? Force bon Dieu. Dans 2 à 6, 16, nous songez, les lames syriennes ont encerclé Caïe et Élisée. Et Géasi vient dire, mettre nous mourir là. Mais ils viennent encercler nous. Et Élisée dit, papa, nous avons plus de monde avec nous parce que nous. Et monsieur Patkawel, Élisée priait, il dit, Seigneur, ouvrez yeux, monsieur, pour l'ouvrir, l'armée pas nous. Les yeux, monsieur, ouvrez sur le plan spirituel. Monsieur, regardez, nous, l'armée l'éternel là, environné et zone, si l'armée syrienne n'a pas rien. Et puis ça passe, Élisée prie à le prier. Mais ça veut dire bien important sa prière. Hein? Important sa prière. Élisée prie, il vient attaquer Élisée. Élisée prie, il dit, Seigneur, fais moun sa yo avec. C'est parce que yo te wèk, fais yo te vin seke kaimwen. Au nom de Jésus, c'est pour yo avec. Et ma plus, cette même puissance est encore là. C'est nous qui pavle exercer yo. Élisée dit, au nom de Jésus, moi déclare que la puissance est là, fais nous avec.
Élisée priait. Là, les filles priaient, le mandé. Soit mandé à celui qui a privé. Élisée priait et puis tout le monde est avec. Tout le monde, tout mal fait est avec. Qu'on y a qui monde qui prie ou qui a fait au fait épais. Élisée dit qui monde a chargé. Qui monde a chargé. Puisque il y a avec, pas vrai. Il dit Élisée. Élisée dit non. Élisée pas ici. Élisée doute. Qui monde a parlé avec vous? Élisée. Tenez bien. La prière by délivrance. La prière by la vie longue. La prière by la santé. La prière by protection. La prière by nourriture. La prière by vêtements. La prière by un bon mari. La prière by un bon madame. La prière by réussite dans l'école là. La prière by visa. La prière by résidence. La prière by tout bon bagaille nous connaît. D'ailleurs, dans Jérémie 29, verset 11, la parole de Dieu déclarait: je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Bon Dieu n'a pas fait projet malheur pour nous. Avant même nous venir sur la terre, tout ça nous a fait. Il est écrit dans le livre, bon Dieu. Bon, rien de bagaille pour nous respecter. Respecter la parole et puis rester dans le chemin, bon Dieu, mettez nous. Et puis, pas qu'il y ait un monde qui a bloqué nous. C'est clair. Un monde qui va prier au bail, puis aille. Et c'est raison ça qui fait que, dans Thessaloniciens 5, verset 17, et nous voyons que Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui demandait peuple Thessalonique là, pour le prier sans cesse, pour le prier sans arrêter. N'importe monde qui parle de prier la faible. Et la faible spirituellement, la faible dans l'âme, la faible dans l'esprit, la faible dans le corps. Depuis parer mes prières, ou en parer à faiblesse, c'est son besoin qu'on ait. La embologique, mes frères et sœurs. Et soyez intelligents, soyez intelligentes. Restez dans la méditation profonde, restez dans la prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas déplacer les montagnes. Okay? Nous ne pouvons pas briser les chaînes. Nous ne pouvons pas casser les cordes. Est-ce que vous comprenez là? Nous ne pouvons pas fendre la mer qui est en face de nous. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Là, la prière by repos, la prière change tout bagaille. Tout ça que tu as vu dans mal, la prière a changé en bien. Malfaiteur qui a fait complot pour venir éteindre vie. Et puis la prière, pendant la prière. La prière fait compte avec malfaiteur par elle. Il y a une tout et l'autre. Et il y a une vie de la caillou par où. La prière carrément invisible. Et m'a dit donc, l'église n'a pas saisi l'opportunité que Jésus a eu. L'église a un paquet de pouvoir. Pour nous capables d'évoluer sous la terre. Mais je dis à l'église à faire des cartes. C'est bagaille terrible. La embologique, mes frères et sœurs, je vous conseille, je vous encourage de rester dans la prière, de rester connecté avec Dieu à travers la prière, parce que c'est un canal qui crée une atmosphère, qui crée une certaine relation, qui crée une route entre nous-mêmes et le ciel. Vous songez que ça, Jacob de Rome. Jacob. Les livres de Bethel et dans le voyage, Jacob pralouait, on échelle, tête échelle la baille dans le ciel, depuis le bail sur la terre, et puis dans la vision, il dit Zay bon Dieu, cap monté dans la échelle là, cap sauté en bas, côté Jacob, pour parler à l'écoute bon Dieu dans le ciel là. La embologique, l'a prié, c'est ça. Échelle la descente, depuis échelle la descente sur la terre, pour capable parler, pour capable prendre parole dans le bouche, côté bail bon Dieu, côté l'IA. Vous savez bien, mes frères et sœurs, là c'était dans le voyage et Jacob a fait le voyage là. Maintenant, nous-mêmes, je dis, avant nous d'accord ça, Jacob a prié, il dit, bon Dieu, si vous faites voyager en bien un jour, pour manger, pour me garder sous moi, ma bonne dixième partie, regardez bien avec moi, oui. Genèse 28, pour nous samedi, Jacob quitte Bethsheba, il est parti pour Caran, il est arrivé à un côté, il était passé une nuit là, parce que le soleil était fin couché. Li prend yon roche, ses visorye, et puis il couche à terre comme ça pour le dormir. Li fait yon rêve. Li rêve li wè yon échelle qui était campée de pied lio. On échelle qui était campée, de pied l'échelle la terre à terre, tête échelle la terre perdue dans le ciel là. L'el gade li wè zan bon Dieu, tap monte, descend sous l'échelle là, et puis li wè Seigneur campé en haut, dans tête échelle là. Tendez bien, oui. Zay bon Dieu a fait va et vient. Ça veut dire qu'il a vu prendre parole dans la bouche Jacob pour monter dans le ciel pour te bailler papa. Bon Dieu dans cette échelle là. Et puis Seigneur a dit, c'est moi-même Seigneur. Bon Dieu Abraham, j'en sais toi, avec bon Dieu Isaac là, où était côté ou couché là, ma baoul ou même, ensemble avec tout petit ouyo, pral même quantité à graines poussière qui sont sur la terre, yo pral gaillé dans toute direction, l'est, l'ouest, nord, sud, ou même à toute petite ouyo, nous allons tourner une bénédiction pour tout le monde qui est sur la terre. Pas oublier, m'a toujours là avec vous, m'a voyager sous côté ou passé, m'a fait tourner dans le pays ça,
parce que moi pas plaguer ou sans pas faire tout ça moi dit moi se dit là pour comprendre bien mes frères ici les Jacob levé dans rêve là mais les monsieur levé dans dormir j'ai dit ouais pas ouais Seigneur ici là moi pas comme ça avant monsieur vinn paix même côté là monsieur vinn paix et il dit ici là c'est un côté pour monde respecter le côté où il dit pour bon Dieu c'est côté pour monde respecter c'est ça monsieur dit parce que la présence de Dieu est là. Maintenant, les Jacob fin dit ça, il dit que et c'est pas l'autre bagaille, ici là c'est caille bon Dieu à porte ciel là. Il dit c'est pas l'autre bagaille. Et côté moi échelle là, pied sous la terre, tête dans ciel et moi bon Dieu dans tête, les anges m'a fait va et vient, descendre vient sous la terre, aller dans ciel là et Jacob dit que c'est pas l'autre bagaille, ici là c'est caille bon Dieu à porte ciel là, c'est caille bon Dieu à porte ciel là. Ça veut dire sous les porte ciel là ouvert, c'est la prière pour la prière, pour capable pour porte ciel là ouvert. Comprenez bien, là, en bon logique, Jacob levé bien bonnet, lui prend une roche, lui fait servir, et puis lui plante le temps pour une bonne terre, lui vide l'huile sous lui pour mettre la pape pour bon Dieu. Lui relé côté à Bethel. Avant ça, la villa te relé Louze. Jacob fait bon Dieu en promesse. Attendez bien, lui fait une promesse, bye bon Dieu. Il dit Seigneur comme ça. Si bon Dieu toujours campé avec moi, si il voyage sous moi dans tout voyage m'a fait, si il bon manger pour manger, si il bon rade pour me mettre sous moi, si il fait me tourner à cœur poser la caille papa, Seigneur va bon Dieu vrai. Roche ça moi planté dans terre, tant pour bonne là va servir caille pour bon Dieu, ma baou yon dixième dans tout ça ou va bon moi. Tendez bien, ça c'est la dîme, Jacob pral bail bon Dieu. Parce que lui croit que lui dit il fait bon Dieu promesse là. Pendant la prière on fait vœu avec bon Dieu. Parce que l'offre fait on vœu, il fait bon Dieu tant au plus rapide. L'offre fait bon Dieu en promesse. D'ailleurs on comprend ça oui. Il y a des gens qui pas d'accord, les gens fait vœu. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. C'est ça Hébreux 13 verset 8 dit. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Les nous fait bon, les nous besoin bagaille plus rapide, nous doit la prière plus et tout autant nous pas joindre bagaille là, rester là dans la prière. D'ailleurs nous clair, c'est pour nous rester là dans la prière. La prière, c'est une atmosphère. L'irène atmosphère la vous propice. C'est ça le fait. Là, Jacob, il demande, bon Dieu, ça a le besoin. Et il fait voir la vie. Et il prend commencer à payer la dîme, il va bon Dieu, on partit. Mais frère, c'est là, nous prier, bon canal qui ouvert. L'échelle ciel la descend sous la terre. Et puis, Zanjo vient prendre réponse dans la bouche nous, pour te bailler, bon Dieu. Ça, c'était dans le temps Jacob là. Mais de nos jours, le Saint-Esprit est en nous, ça veut dire Dieu est en nous. Jésus-Christ assis à la droite de son Père. Vous avez bien compris ça? Pardon. Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Il est en train de faire des plaidoiries pour les croyants. Je dis à bagaille plus facile parce que le Dieu d'Israël est en nous. Jésus-Christ est notre avocat. Comprenez bien, le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Dieu est en nous. C'est ça la parole de Dieu déclarée. Tout le monde qui croit dans la parole de Dieu, Jésus dit moi-même m'a passé pour un papa. Moi-même, ma papa m'a vu habiter dans lui. Saint-Esprit qui est dans nous, les jours nous avons accepté Jésus. Et nous venons les pères et fils. Le Saint-Esprit dans nous. Ça nous manque aujourd'hui que nous allons opérer. Désobéissance sur désobéissance. Nous pas d'accord marcher. Tant que nous esclaves dans le bon Dieu. On monde qui marche avec bon Dieu, c'est esclavouillé. Ou pas une volonté. Mes frères et sœurs, restez dans la prière, attendez. La prière va y repos. La prière fait bagaille extraordinaire. Et nous tous qui connectés avec nous, si nous croyons, c'est menti ma banane. Font une expérience pendant la semaine. La prière trois fois par jour pendant la semaine. Pour nous aussi, l'atmosphère de la vie ne pas changer totalement. Je dis à les hommes, ils ont le temps pour plaisir, mais ils n'ont pas le temps pour bon Dieu. Et c'est ça qui touille nous dans le film. Alors, espérons que vous compreniez pour l'importance de la prière. La prière est importante en pile pour ne pas dire l'indispensable. Et le Seigneur voulait nous la prier pour nous faire une délivrance de très rapide. Et les gens qui ne pas prier, pas qu'à jouer une délivrance. Quel que soit le monde qui prie. Mais la prière, songez bien, il faut soumettre. Et ensuite, il faut abandonner si tu as fait un vieux bagage ou une vieille route. C'est ça, le psalmiste l'a dit dans le psaume 139. Seigneur, si vous êtes sur mauvaise route, retirez, mettez-moi sur bonne voie. Seigneur, pas d'accord, nous avons mauvaise route. Parce qu'il n'est pas tracé mauvaise route pour nous tracer la bonne route. Et ça fait Jésus dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là, nous ne pouvons pas arriver. Bon côté, bon Dieu, sans ne pas passer par Jésus-Christ. Alors, je pense qu'on a pu camper là, mais demain soir, on va avoir une petite rubrique comme ça, parce que moi, je voulais parler de la prière en long et en large, et je vais regarder pour nous comment nous
présenter émission. Parce que internet là, l'aile 8h-9h en Haïti. Alors c'est 7h-8h-9h, il y a un pile problème. C'est pas facile internet bon Haïti. Bah, on va connaître et c'est réseau des fois il y a des paroles pas du tout. Et on va comprendre que l'ennemi l'autre monde. Laissez bah plaisir côté monde, sentir rejoindre dans corps ça, puis sentir rejoindre. Mais on va parler bagaille ciel qui peut changer la vie réellement. Eh bien et yo pas rien mais ça. Et pourtant, c'est pas le ciel qui a bon la vie, c'est lui qui a protégé, c'est lui qui a bon la santé, c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a protégé dans monde ça pour un mal barré. C'est la parler hein, c'est la clair. Alors, mes frères et sœurs, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous allons prier le Seigneur dans minute ça parce qu'il est il est déjà minuit. Nous allons prier pour nous dire Seigneur merci pour nuit là qui finit, je viens commencer. J'espère qu'il fait bagaille extraordinaire dans la vie. C'est plus blanc de commencer par pratiquer la prière. La sœur Kamax, Florent, elle fait, il faut prendre la prière. Bon, on est passé, Gabriel lui-même, c'est sa net parce que c'est net qui a passé des soirées et en priant. Et nous-mêmes, fait, il faut prendre capable la prière. Et 24 sur 24 pour ciel là, capable de faire bagaille extraordinaire. Alléluia. Alors, on a dit parce que Gabriel n'a pas gagné Zoom, soit par hasard. Et ça fait, nous pas prendre à l'écran. N'a travaillé pour nous, comment nous va améliorer l'appareil là. Et ensuite, nous ne pas oublier. Nous pas oublier sur ça. Parce que mon laptop là, ma finir le laptop là pour me capable commencer à faire des émissions en évitant des intervenants. Que Seigneur Benou, merci, c'est Damaz. C'est Damaz. C'est Grévelin de Kamax Florent, et Conseil Gabriel, et frère Sony. Bien-aimé, qui t'es connecté avec nous dans le ça, c'est parce que nous avons l'amour pour la parole de Dieu, qui est parole bon Dieu fait bagaille extraordinaire, et m'espérer que dans le compte nous avec moi, nous avons pour nous témoigner dans le jour qui vient, parce que bon Dieu, le serviteur parler, lui, doit bénir sa serviteur lui, pour gloire bon Dieu qui a manifesté, même que David te dit, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous allons la prier, le Seigneur, parce que lui t'est accompagné. Merci les pères, merci les fils, merci le Saint-Esprit de Dieu. Ou même qui était bah, nos privilèges pour nous être capables d'entrer dans une séance de méditation dans le ça. Nous pas sous contact, nous sauver, nous faire Céline affaire. Merci pour la sœur Gévelade, la sœur Kamax Florent. Merci pour frère Sony, Étienne. Merci pour frère Gabriel, notre pasteur, qui est là avec nous dans l'émission ça pour nous être capables de parler de l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et nous vous remercions. C'est aussi parce que vous avez utilisé nous. Que par vous, ça vous entre dans les oreilles pour arrêter de faire des effets extraordinaire et que l'autre monde qui va regarder vidéo ça, que on vive la parole de façon pleine et que Saint-Esprit de Dieu est capable d'illuminer l'esprit pour être capable de mettre des obéissances de côté pour être capable de prendre costume obéissance à mettre sur vous pour la vie qui a transformé pour la vie qui a un problème pour la vie qui a un diable problème. Merci Seigneur pour Junek Féli, merci déjà pour nous qui commencé, il fini, nous attaquer Seigneur, yon l'autre journée, nous merci, comblons-nous avec toutes sortes de grâces, toutes sortes de protections. Et donne-nous, Seigneur, parce que nous allons reposer, nous allons se reposer, nous te demandons au Seigneur de nous assister, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout ça que tu as vu dans ma charge en bien, Seigneur, où le roche pour nous casser, complot, déplacer montagne, faire bagaille extraordinaire, mon cap marche avant, pas carrément. Moi, mettez Haïti devant, font bagaille pour Haïti, Seigneur. Font bagaille pour chaque Haïtien, font bagaille pour chaque Haïtien qui est dans la diaspora. Touchez diaspora, quel que soit côté, soit anti, dans gros pays, quel que soit côté, font bagaille pour le Seigneur. Et maintenant, donne un pays ça. Font bagaille pour Haïti parce que c'est le cas de Yombo. Ouvrez des portes extraordinaires, fait bagaille extraordinaire. Nous comptons sur vous, chers pères. Nous militons ça, Seigneur. Tout bagaille mal qui t'a fait briser toute magie, tout complot, toute combinaison, tout événement, toute expédition. Qu'on y a même brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom du sang versé de l'agneau, que parole ça nous dit là, qui commence par appliquer dans la vie petite, que bagaille extraordinaire fait, que roche ou qui complot casé, qui montagne déplacé, que la mer rouge au fond, Seigneur, que miraille j'ai eu pour tomber, parce que miraille qui pire, que miraille j'ai eu pour que vous tombez au nom de Jésus, parce que c'est bon Dieu, ou par contre commencer, mais pas finir, toute sorte de sévérité, l'autre dit oui, c'est oui, l'autre dit non, c'est non. Maintenant, de souple, passer à petite, pas que Dieu rentre. Il faut créer une différence dans mes temps petit pour montrer mon cap servi diable. Il y a une grande différence entre mon cap servi et mon cap servi mon Dieu. Mon cap servi et mon cap servi diable. C'est pour créer une différence. Montrer mon cap servi diable, il n'y a rien devant mon cap servi. Plus que Satan n'a rien devant, c'est pour battre plus pouvoir pour mon diable, il n'y a rien devant nous. C'est ça nous demandons au nom de Jésus de Nazareth. Que grâce papa capable de verser sur la vie chaque monde. Nous demandons ça, cher Père. Au nom de Jésus, papa, pour voir Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur.
Alors, tout à l'heure, c'est Nabge pour nous chanter en enterrement, c'est Frère Rézi et Seyak qui mourit. Je souhaite des condoléances avec toute famille Seyak là. Je venais Seyak et Frère Lorimène et toutes les mesdames, Frère Élisée, Seyak, Marie, Madame Rizier, tout le monde, toute famille honnête, nous souhaitons condoléances avec eux. Et que Gabriel nous était obligé de dire ça pour Capronet, Rizier mourit et l'a enterré jeudi. J'espère que le Seigneur a apporté consolation pour le monde. Parce que ils n'ont pas converti, c'est pas d'un jeune mourir, ils converti. Et le monde qui va la vie, c'est Jésus. Alors, ignorer Jésus, il n'y a plus de bagaille qui a passé. C'est ça que je m'a souhaité avec tout le monde qui a pu tout le monde qui a qui n'a pas Christ. Bah, Jésus, là, vous ne pas regretter. Parce que c'est l'homme de Jésus là-haut, ou après tes amis, Jésus 24 sur 24. Et bonne soirée, bonne journée, et que le Seigneur vous bénisse. Nous va ouais, yon l'autre moment pour yon l'autre numéro. C'est Grévelin, bon Dieu Benon, Frère Sony, bon Dieu Benon, Pasteur Gabriel, bon Dieu Benon, c'est Kamax Fleurant, bon Dieu Benon, c'est Kamax Moué, ou anti-jean, raté émission yo, qui ciel la fait route, qui li fait bagay extraordinaire, qui tout ça qui a vint dans ma soute, nous qui ou changeant bien, et m'kwa que le Seigneur l'a fait bagay, nous pas ta même pensé. Bagay n'ont pas à espérer parce que bon Dieu nous c'est bon Dieu tout bon Dieu. Il n'y a pas qu'on commence pour ne pas finir. La prière est importante. La prière est importante parce que sans la prière, nous pas qu'à vivre heureux sur la terre. À la prochaine, c'était des amis. Parce que le verset de la Bible, qui était à méditer avec vous sur la prière. Sur l'importance de la prière. La prière est importante, mes frères et sœurs. Il ne doit pas manger au prier. Il ne doit pas procéder dans une prière. Et bon pour ça, à propos de l'autre bagaille, comme des. Que bon Dieu nous, mon pile. Je vous embrasse tant. Bisous. À la prochaine.